Voilà, aujourd'hui notre société fête les 20 ans d'entreprise. Donc nous avons créé la société en 1995 et depuis lors, trois autres sociétés ont vu le jour. Donc mon souhait, lorsqu'il y a 20 ans, j'ai décidé de créer la société, c'était vraiment de me trouver dans le cœur de l'aventure et de pouvoir créer de l'emploi et pouvoir être active dans le domaine du service aux entreprises. Alors voilà, donc fille d'indépendant et petite fille d'indépendant, j'ai eu très envie de pouvoir relever les défis, d'être maître, de pouvoir diriger les opérations comme je le souhaitais. Et je suis une femme de passion depuis 20 ans, donc nous avons connu pendant 20 ans plusieurs virages, plusieurs tournants dans l'entreprise et ça nous a rendus plus forts. Donc à présent, ce que nous proposons, c'est vraiment de la personnalisation de services. Nous sommes installés à Liège, le siège social de la société se trouve à Liège, mais nous sommes actifs au niveau national et international de par nos activités en clients mystères, en études de marché, donc études de marché quantitatives, qualitatives, et tout ce qui concerne le service aux entreprises. Donc nous sommes là pour booster le chiffre d'affaires des entreprises et accompagner les entreprises dans le développement commercial de leur activité, mais aussi dans l'identification de leur cœur de cible. Donc on se distingue de cette façon-là parce qu'on fait vraiment de l'accompagnement des sociétés qui ont envie de se distinguer de la concurrence et de vouloir booster leur chiffre d'affaires. Alors nous avons une équipe au sein de la société Martine Constant Consulting Group très diversifiée et ça j'y tiens vraiment fortement. C'est ce qui me permet de faire battre mon cœur tous les matins. C'est aussi l'équipe que j'encadre et l'équipe qui est très différente donc, et qui se compose de manière très différente. Donc il suffit de rentrer donc, dans nos murs pour se rendre compte de la différence au niveau culturel et au niveau des personnes qui composent l'entreprise et qui font partie de la communauté de travail.